Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas jouer avec l'eau. Là, je vais t'expliquer pourquoi. Ok, j'y viens. Bienvenue à l'école. Roland d'Orgelès. Bienvenue à l'école Roland d'Orgelès. De Chanteloup-les-Vignes. Bah, cette semaine, on a suivi une classe d'eau. C'est quoi une classe d'eau? Bah, c'est des choses où tu apprends plein de choses. Tu fais des sorties, des expériences. La chorale, on a fait de la peinture. Finalement, on a appris que l'eau, c'est précieux et qu'il ne fallait pas la gaspiller. C'est genre un projet où tu travailles sur l'eau. Une classe d'eau, c'est où il y a de l'eau partout. Une classe d'eau, c'est quand tu travailles que sur l'eau et tu pars dans tes sorties pour aller voir des animaux qui sont que dans l'eau. On travaille sur l'eau, on fait de la science sur l'eau. Tu fais des expériences sur l'eau. Comme un lot, on la nettoie. On a pris une bouteille, on a mis du sable et des pierres avec du sable et du coton. Et après, vu qu'il y avait le coton, ça a retenu tous les petits microbes. Et ça rendait l'eau un petit peu propre. J'ai retenu que pour rendre l'eau potable, il fallait la nettoyer et mettre dans l'usine de potabilisation. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant la classe d'eau? Ben, on est parti au bord de la Seine. Il y avait un monsieur, il nous a parlé sur les arbres, sur les plantes et sur l'arbre qui peut faire des médicaments. Moi, ce que j'ai préféré, c'était quand on est parti en sortie. On a vu des oiseaux, des canards. On a parlé des tortues américaines, des écrevisses. Là, qu'est-ce que c'est? Ici? En fait, alors ça, c'est, imaginez-vous, c'est des mandibules, en fait, qui utilisent ses fourchettes pour lui permettre de manger. Après, on est parti au château d'eau. C'est un réservoir de l'eau pour qu'elle vienne chez nous. Et on a parlé sur l'eau, comment elle se fabrique. Avec de la station d'épuration, d'abord il faut enlever les saletés, les déchets qui sont dans l'eau. Après, on la nettoie, après on la met, après on la renvoie au château d'eau. C'est une tour où il y a des tuyaux pour ramener vite l'eau dans les maisons. Pendant la classe d'eau, j'ai aimé l'expérience qu'on a fait hier. C'était quoi comme expérience? On a pris des tuyaux avec des bouteilles. Après,
Les bouteilles, c'était le premier, c'était le château d'eau, et le deuxième, c'était la maison. Et après, l'autre enfant, il a soulevé le château d'eau, et moi j'ai baissé. Et après, l'eau, ça coule un petit peu, mais ça descend vers, c'est comme un toboggan. À part les expériences, qu'est-ce que vous avez fait dans cette classe d'eau ? On a fait de la peinture, des poésies, des chansons et une maquette. Elle représentait quoi cette maquette ? Une rivière à côté de la forêt, à côté de la route. Ça va raconter le cycle de l'eau. Donc comment l'eau arrive dans le château d'eau et comment le château d'eau distribue l'eau aux maisons. Le tuyau, il va jusqu'à la station. Après, l'autre tuyau, il va dans la grande station où il y a de l'eau. Après, on distribue jusqu'à la maison. Après, le tuyau, on l'a mis en noir parce qu'il est sale. Et on la ramène jusqu'à la station d'épuration. Et elle sort, elle va jusqu'à la rivière. L'activité que j'ai aimée, c'est quand on a fait de la neige. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand on a fait les sculptures avec la neige. On a fait de la neige avec du bicarbonate et de la mousse à raser. On a d'abord mis le bicarbonate dans le saladier. Après, on a mis la mousse à raser. Après, on a mélangé. Après, on a commencé à faire les sculptures. Ce qui m'a plu aussi, c'est hier. On a fait plusieurs activités, en fait, avec des papiers. En fait, on les a découpés et on avait écrit classe d'eau. J'ai préféré faire les dessins avec mon livre de bord. L'activité préférée pendant cette semaine, c'était quand on chantait. Elle sort de son lit, tellement jolie. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène est loin. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Bravo. La classe d'eau, c'est bien. On apprend plein de choses. J'ai presque aimé toutes les activités de cette classe d'eau. Moi, j'aime bien les classes d'eau parce qu'on apprend des choses sur l'eau. S'il n'y avait pas l'eau, il n'y aurait pas de piscine, il n'y aurait pas de jacuzzi, il n'y aurait pas la mer. Il faut prendre soin de l'eau, il faut protéger la nature. Parce que si l'eau de la rivière elle n'est pas propre, les poissons ils peuvent en mourir. L'eau, c'est de l'or, il faut faire bien attention. Yes.
de son lit, tellement sur terre, la Seine, la Seine, la Seine. Tellement jolie, elle m'en sorcelle, la Seine, la Seine, la Seine. Elle sera la grande, la nuit est sûre, la Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas saoul, Paris est saoul, la Seine, la Seine, la Seine. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la Seine est loin. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. Bravo. Ouais.